Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce jeudi 17 juin 2021, direction l'hippodrome de La Teste pour le prix SABT, 6e course de la Réunion 1, où 16 galopeurs âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 20h15. C'est avec un gros handicap divisé de première épreuve provinciale que nous allons tenter de glaner quelques précieux euros. Sur le parcours des 1800 mètres de la piste en gazon à main droite de La Teste, nous assisterons à une course rythmée lors de laquelle il faudra bien voyager pour espérer jouer les premiers rôles. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 15, Aïbari. Cet élève de Mathieu Bram, désormais âgé de 4 ans, vient de s'imposer dans un plus petit handicap. Montant de catégorie ici, mais avec l'as à la corde et Alex Roussel aux commandes, il effectue un déplacement très ambitieux. En deuxième choix, le numéro 5, Charik. François Rouault, qui connaît toujours une très belle réussite sur l'hippodrome de La Teste, compte sur lui pour confirmer sa dernière victoire à Genève pour son retour dans les handicaps quintés ici. En troisième choix, retrouvons le numéro 4, Gris d'Argent. Damien Vatrigan l'aime bien et le trouve toujours au top à l'entraînement. Avec le 3 dans les stades de départ et Julien Auger sur son dos, s'il voyage bien, il peut même remporter cette compétition. En quatrième position viendra le numéro 8, Sagano. Ce oncle de 4 ans, fils d'Anodin et de Tristesse, représente la casaque des frères Vertemer. Mis au point par Christophe Ferland et restant sur un succès, il va tenter de terminer dans les 4 premiers. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 14, Charm King. Donnant beaucoup de satisfaction à l'entraîneur Frédéric Séguin depuis qu'il a rejoint ses box, il peut profiter de son numéro 5 dans les stalles pour terminer à l'une des 5 premières places. Au 6e rang sera retenue la candidature du numéro 2, Often Work. Didier Guillemin l'aime bien et pense même ici avec 59,5 kg qu'il est capable de jouer une place dans le Quintet Plus. En avant-dernier choix, le numéro 1, Ascot Angel. Lauréat de Quintet Plus lors de son avant-dernière tentative sur l'hippodrome de Bordeaux, il a certainement moins de marge au poids désormais, mais est capable de tracer une fin de course dont lui seul a le secret. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 6, African Grey. Jacques Pied-Noël fait appel au service d'Olivier Pellier et il faut logiquement y voir un signe fort. En cas de non-partant, le numéro 11, Nord-Est, équipé de ses fameuses œillères et nous devant une revanche, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1€ sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mardi après-midi, Top Prono et Turf Sélection indiquent le tiers s'écarter Quintet Plus dans le désordre, le dernier affichant un peu plus de 100€. Pour vous abonner à Prono VIP et bénéficier des nombreux pronostics gagnants, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronos, laissez-nous un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP turf-fr.com.